Dans cette partie, nous allons implémenter notre système de commentaires. Les commentaires, nous pouvons les gérer de deux façons. Soit nous créons un système du début jusqu'à la fin, ou soit nous faisons appel à des services tiers comme Facebook, Google et autres. Même pour notre cas, nous allons créer ce système nous-mêmes du début jusqu'à la fin. Libre à vous d'implémenter ces services tiers si vous voulez. Je suis sûr que vous trouverez pas mal de ressources qui discutent de cela. Donc, à vos éditeurs. Nous allons créer un nouveau modèle et en même temps générer une migration faisant PHP Artisan Make Model Comment. OK. Ensuite, nous nous rendons au niveau de notre dossier database très rapidement. Database migration. Et là, on a notre migration. Ce que nous allons faire ici, c'est rajouter quelques colonnes. Nous allons d'abord ajouter le nom de l'auteur de notre commentaire, ensuite l'email. Si on veut, on peut ajouter aussi le site web de celui qui commente. Ensuite, on ajoute l'URL vers son site qui est nul. Ici, le contenu, son commentaire, son contenu. On peut mettre content ou body. Libre à vous de voir, je peux venir body. Et l'on doit aussi mentionner l'identifiant de l'article qui est commenté, dollar table. Ensuite, très rapidement, l'ID de notre post. Et nous allons mettre une contrainte ici, au cas où le post ne serait plus là. Très rapidement, on ajoute notre contrainte ici. Une clé étrangère post ID qui référence l'ID dans notre table post, mais ça est en cascade au cours de la suppression. Ensuite, on se rend au niveau de nos modèles très rapidement. Ici, dans modèle, on va dans comment. Dans comment, on va créer une méthode public post. Public function post. Ici, très rapidement, on va faire dollar $10. Belongs to. Très rapidement, ici, on va spécifier notre classe. Post de point classe. Si je fais mon return. Ensuite, on sera au niveau de post. Et là, on va créer une méthode très facilement. Public function. On va nommer cette méthode comments qui va permettre de faire la liaison entre nos articles et les commentaires. Return $10. Ici has many. Un article peut avoir plusieurs commentaires. Et là on met comments. Comment de point classe. Ici, la relation étant établie, de même qu'au niveau du commentaire entre l'article et ses commentaires. Dans la suite, nous allons générer quelques commentaires afin de mieux tester notre application.